Je me permets d'entrer. Hein? Toi, là, t'es qui? Attention, lui, c'est mon garde du corps. Un soldat, en plus. Hein? Un soldat? Ancien soldat. Voyons ça. Il en a les yeux, en tout cas. Garde du corps, c'est bien dans tes cordes. Hein? T'es mercenaire. Hein? Mon intuition me trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord? D'accord, j'accepte. Mais je suis pas donné, tu sais. Je te propose un rendez-vous avec moi. Hein? Ah, t'es un vrai soldat, alors. Et ton grade? Première classe. Tu veux me faire croire que t'es première classe? Elle est bien bonne. Mes fleurs, faut pas marcher dessus. T'as entendu? Ce sera pas long. Y'a intérêt. Le rôle de garde du corps, c'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois? Vous autres, c'est votre tour d'intervenir. C'est vraiment affligeant. Je suis pas d'humeur, mais... À mon tour maintenant! Très bien. Ça fait mal. Enfoiré. J'arrêterai tout. Enfoiré. C'est quoi? T'es plutôt tenace, toi. Mais quelle que soit ma mission, j'y prends plaisir. Car je suis un vrai professionnel. Tu veux pas passer un moment électrique avec moi? Mais non. Vas-y, terminé. Adieu. Dis-moi ça. J'arrêterai tout. Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? C'est pour un soldat, non? C'est vraiment une. Tiens, c'est cadeau. C'est pas ce que tu crois, mec. Tout ce que je voulais... Cloud, arrête! Je rêve qu'il vole. Chef! Vous êtes blessé! Foutez-moi la paix. Allez plutôt à leur poursuite. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est bizarre. Ils attaquent pas. Hey, ouvrez! Allons-y. Ouais, on pourra sortir par le trou.
m'empêcher de tomber. Filons. Je passe en premier. Prends ma main. Je les vois pas. Ils sont là-haut. Non, tire pas. Hey, tu t'es fait mal? Ça va. Peut-être pas. T'avises pas de lui faire du mal, ou tu le paieras de ta vie. Pardon. On a besoin d'elle. Au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en! Ne bouge pas! Je viens de te dire de pas tirer. Oui, mais... Je peux faire tomber ça. C'est faisable. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas m'approcher! C'est quoi? Une sorte de sort? Il faut se dépêcher. Ils se sont enfuis sous le toit. On les suit? Non, on s'en va. Vous êtes sûr? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe, 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 aïe. Ah, putain! Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance! Sortons avant qu'ils nous rattrapent. Nous allons nous replier. Ils ont laissé tomber. Ils ont disparu? Oui, ils sont partis. C'est quoi ces choses? À mon avis... Non, en fait, je n'en sais rien. J'aimerais qu'on passe par les toits. Regarde. Tu vois le pilier là-bas? À côté, c'est la gare. Cloud. Allons-y. Ok.
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Pour l'instant, je suis ton garde du corps. J'ai failli oublier. Après ça, je rentre au bidonville du secteur 7. Tu connais le chemin ? Tu es sûr ? Ouais. J'ai des doutes. Le type de tout à l'heure, c'était un des Turcs de la compagnie Shinra. Qu'est-ce qu'il pouvait bien te vouloir ? Aucune idée. Dis, les Turcs, ils recrutent bien les futurs soldats, non ? C'est qu'une infime partie de leur travail. Ils font bien plus que ça. Ils sont impliqués dans plein de choses. Ils recourent souvent à l'intimidation. Extorsion, enlèvement... C'est vraiment pas sympa. Revenons plutôt à ma question. Quels sont tes liens avec ce Turc ? Vous aviez l'air de vous connaître. Disons que si ça se trouve, moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat. Laisse tomber. Ben alors, t'es fâché ? Par les toits. D'habitude, les gens font pas ça. C'est marrant. Je trouve ça un peu grisant. Ouais, la première fois. Je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat. T'es méchant. On dirait que tout le monde a déserté les environs. Oui. Personne ne nous grondera, rassure-toi. Tout abîmé, cette échelle. Je vais monter en premier. C'est pas très stable. Fais attention. Oui, chef. Doucement. Ne t'inquiète pas comme ça. Je ne suis pas une princesse en détresse, tu sais. Oh non. J'ai d'aller de l'autre côté une fois. Mais bon, en fin de compte, j'y ai renoncé. C'est vrai que c'est dangereux. Au dehors de Midgar, c'est la nature à perte de vue, pas vrai ? Ça m'attire. Mais je me dis que j'aurais peut-être du mal à y vivre. J'y pense un peu parfois. Ce paysage, en fait, je m'y suis habituée. Le bidonville est un endroit attachant. Les gens sont courageux et pleins de vie. Parfois, ça se ressent tellement que ça me donne le sourire.
Cette fois, c'est moi qui passe devant. Autrement, tu avances sans m'attendre. T'es sûre de toi ? Mais oui, tu vas voir. Tiens, regarde. Peut-être que je devrais te laisser là et partir devant toute seule. Tu ferais surtout mieux de pas parler. Dans ce cas, parle-moi un peu de toi, tiens. Je t'écoute. C'est pas mon boulot. Méchant. Tu... Tu vois ? Me donne pas plus de travail. On va s'amuser ! Tu peux sauter ? Oui, bien sûr. Je te remercie. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi. C'est un compliment. C'est une raillerie. Va falloir t'habituer. Ici, nous sommes près de la gare du bidonville. Mais malheureusement pour ceux qui passent par là, il y a des créatures dangereuses. Eh ben, ça n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser. C'est que des créatures urbaines. Y a pas de quoi s'inquiéter. Voir ta tête, tu as l'air vraiment fier de toi. Recule. Oh, ben ça fait plaisir. Dis, Cloud, tu ne connais pas très bien le monde, n'est-ce pas ? Pour toi, j'ai l'impression. L'entraînement, la caserne, le combat. C'est tout ce qui existe dans mon monde. Je rêve ou tu te la joues un peu ? C'est ça, la gare. J'aurais deviné tout seul. Ah bon ? Je croyais que ça n'existait pas dans ton monde à toi. Très drôle. Clara, où est-ce que tu vas ?
minutes. Les efforts que ça nous a coûté pour bâtir ce réacteur Mako. Qui aurait pu imaginer que ça arriverait? Je vous en prie, gardez votre calme. Hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman, regarde! Dis calme, reste sage, s'il te plaît. Il y a du monde ici. C'est un bon endroit, si on veut voir le réacteur. Regarde. Oh. Il est vraiment en train de brûler. Et ça les amuse. Mais non, ils sont inquiets surtout. Iris, t'es venue voir toi aussi? Hein? En quelque sorte. Ah, oh, t'es encore allée à l'église? Oui, peut-être. Je suis contente. Oh, Claire, attends-moi. La zone est dégagée! Parez! Déploiement! Regroupement! On y va! Des Turcs. Ils n'arrêtent jamais de travailler. Ils tiennent vraiment à attraper leur proie. Qui ça, moi ou bien toi? Que ce soit toi ou moi, il faut éviter qu'ils nous repèrent. Alors, on n'a qu'à passer par derrière. Oh. Mais par là, il y a des bêtes. Je préfère ça à la Shinra. C'est une décharge de la Shinra, ici. La plupart des gens du bidonville s'aventurent rarement plus loin que l'entrée. C'est l'endroit parfait pour se cacher. Pas étonnant que personne n'y vienne. Ah hein hein. Elles surgissent vraiment de nulle part, ces créatures. Ce sont des prédateurs. Elles cherchent des proies faciles. Mmh. Dans ce cas, Cloud, tu devrais te méfier. Ils ont abandonné les travaux ici. D'ouvrir. C'est peut-être cassé. Si je me souviens bien, en suivant le chemin, on doit pouvoir faire le tour. Tu crois que tu pourrais déplacer ce conteneur?
pourrait être une nouvelle espèce. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle ne commence pas par la proie facile. Le centre du bidonville. On a encore du chemin. Il faut dire qu'on a fait un détour aussi. Tu es fatigué? Tu rigoles? Eh bien moi, ça m'a creusé l'estomac tout ça. Pas toi? On a d'autres soucis. T'inquiète, on va chez moi, je t'invite à manger. J'aurai pas le temps pour ça. C'est ma mère qui cuisine, elle est très douée. Allez, tu ne peux pas refuser. Dépêchons-nous d'y aller et de nous mettre à table. T'es couru d'avance. Il aurait mieux fait de rester immobile. On sait jamais.
Merci. Tu es vraiment efficace. Mission accomplie. Pas de problème. Mais n'oublie pas ma récompense. Mmh. Tu es en train d'en profiter? Mmh. Ah. Nous sommes en sécurité à partir d'ici. N'oublie pas les Turcs. Oh. Ils pourraient surgir à tout moment. Bon. Mieux vaut ouvrir l'œil. Par là-bas, c'est la gare. Il y a quelque chose qui te tracasse? J'arrive pas à m'habituer au bidonville. Un souci? J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate maintenant. C'est toi, le bidonville du secteur 5 est par là. Qu'est-ce qui se passe? Mais... Aujourd'hui, j'étais le plus rapide. Je me demande si j'aurai un ticket avec mon chewing panda. Si c'est un ticket enchanté, t'en as un gratuit. Si c'est un ticket Klaus, doré, t'en auras un. Viens voir par ici. Ils ont dit que t'avais nous sommes en direct à l'intérieur du réacteur Mako numéro 5. Comme vous pouvez le constater, il se dégage encore beaucoup de fumée. Pour pas enfreindre l'armistice. Nous voyons ici une passerelle en partie effondrée. Tout ce qu'ils veulent, c'est recommencer. Cependant, à faire les foyers d'incendie si semblent maîtrisés. On peut avoir une récompense ou pas? Pardon. Jamais vous êtes bien la directrice du département de l'armement, n'est-ce pas? Permettez-vous que je vous pose quelques questions. Plus tard. Leurs cibles, ce sont les réacteurs Mako. Pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans le réacteur? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Pourriez-vous nous éclairer un peu? Très bien. Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés. Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver. Nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre. Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre enquête. Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1. Ces images sont issues des enregistrements du premier attentat. On y voit des terroristes du groupe Avalanche. Nous pensons qu'ils se cachent encore quelque part dans Midgar. Justement, ce deuxième attentat a été perpétré peu de temps après le premier. Devrions-nous nous inquiéter pour la Shinra? Qu'insinuez-vous donc par là? Rien, c'est que... Il n'y a pas de quoi s'affoler. La Shinra ne se laissera pas ébranler par si peu. Arrêtez tout de suite de filmer! Cloud, partons. Il faut qu'on se tienne prêt à se battre, nous aussi. On n'a pas d'autre choix que de nous battre. Tu veux une arme, c'est ça? C'est nul ce qu'il y a à la télé. Il paraît que c'est un stratagème du Wutai. Ils peuvent compter sur moi, en tout cas. Pour un voyage de noces, vous recommanderez quoi? Tu tombes bien. T'as deux minutes pour m'aider? Vous m'avez l'air débordé. Ouais, je m'en sors plus avec les trains arrêtés. S'il te plaît. Désolé, je suis pressé. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que les autres quartiers ne peuvent pas nous imiter.
Je lui donne un petit coup de main de temps en temps. Hé, c'est par ici. Au bidonville de secteur 5, on cultive plein d'herbes et des... Aéris ! C'est ça, le secret de notre... Hé ! Mais qu'est-ce que tu fabriques encore perché là-haut ? Je voulais juste voir le réacteur, Mako. Qu'est-ce que vous ferez si vous tombez ? Tu peux faire mieux ! C'est qui, lui ? C'est un mercenaire qui s'appelle Cloud. Et pour le moment, c'est mon garde du corps. Lui, c'est Oats. Bon, bah, à plus ! Vous devriez vous entendre. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous ici ? On est allé voir le réacteur Mako ! À propos, la maîtresse nous a dit qu'elle te cherchait, Aéris. Ah bon ? Pourquoi ? Elle voudrait que tu viennes la voir à la Maison Feuillue ! Dans ce cas, allons-y tous ensemble. La Maison Feuillue, c'est un établissement où sont recueillis les enfants qui n'ont plus de famille. Dis, où est-ce que t'étais passée ? T'étais à l'église ? La prochaine fois, tu nous emmèneras avec toi ? Hé, salut Aéris ! Tu as toujours autant la cote ? Oui, ils me donnent un peu de leur énergie. Oui, il en faut tous les jours. Ah, au fait, je te remercie pour les herbes médicinales de l'autre fois. De rien, c'est toujours un plaisir. J'aimerais bien savoir comment tu as fait pour te les procurer. Ça, c'est mon petit secret. C'est qui, lui ? C'est mon garde du corps. Il me raccompagne chez moi. T'es sûr qu'il n'est pas dangereux ? Allez savoir. C'est le médecin du coin. Je lui apporte des plantes médicinales de temps en temps. Après la récolte, je t'en apporterai aussi, Aéris. Vous devez devenir délicieux. Et voilà la Maison Feuillue. Voilà. Maîtresse, on a ramené Aéris avec nous. Excuse-moi de t'avoir fait venir. Aucun souci, c'était sur mon chemin. En fait, je voudrais te demander de nous apporter des fleurs. Je m'en occupe. T'en veux combien ? Plutôt beaucoup. Tu sais, avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a récemment, je pensais nous divertir en décorant la maison tous ensemble. C'est génial ! J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est l'heure de se laver les mains. Pour les fleurs, je compte sur toi. Voyons, comment allons-nous pouvoir décorer la maison ? Aéris a la gentillesse de venir jouer souvent avec les enfants. J'imagine que tu es un ami d'Aéris. Pour les fleurs, je compte sur toi. C'est bientôt l'heure du dîner, alors j'y peux rien. Thank you.
Le parfum des fleurs, eh ben, ça a le pouvoir de nourrir l'âme. C'est surtout quelque chose qui me nourrit tout court que je voudrais, moi. Ma faim, tu penses toujours qu'à manger. Ben, c'est bientôt l'heure du dîner, alors on n'y peut rien. Les plantes, c'est très important de leur parler. Je compte sur vous pour bien Et toi, Cloud? Est-ce que tu aimes les fleurs? Je sais pas, sans plus. En tant que fleuriste, ça me fait de la peine. Je vais pas te mentir. À propos, la fleur que je t'ai donnée, t'en as fait quoi? Ah. Tu l'as offerte à quelqu'un? Ouais. Hein? Je peux savoir à qui? J'ai oublié. Quoi? C'est vrai, ce mensonge? Bon, c'est pas grave. Ma maison est un peu plus loin, au bout de ce chemin. Ma mère doit y être. Je vais te la présenter. Nous y voilà. C'est là que j'habite. C'est superbe. Voilà. Rude est passé un peu plus tôt. Il voulait te voir. Je te présente ma mère, Elmira. Maman, voici Cloud. C'est mon garde du corps. Merci de l'avoir escorté. C'est mon travail. Ma mission est terminée. Oui, je te remercie. Au fait, tu veux aller au 7x7, pas vrai? Ouais. Alors, je t'y conduis. Je t'ai accompagné ici pour rien, alors. Et si jamais on tombe sur les Turcs? Ce serait embêtant, mais j'ai l'habitude. Pour tout te dire, c'est plutôt toi qui m'inquiète. Tu pourrais te perdre tout seul. Et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide. Tu ferais le fier, c'est pas vrai? Tu prétends me connaître, mais... Maman, je ressors. Je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7. Vraiment? Et que dirais-tu de faire ça demain, plutôt? Si vous partez à cette heure-ci, tu rentreras tard. Mieux vaut que vous restiez ici ce soir, pour y aller plus tôt demain matin. Comme ça, vous arriverez là-bas à midi. C'est vrai. Cloud, ça te va? Sérieux? J'oubliais. À la Maison Feuillue, on m'a passé une commande pour des fleurs. Si on a un peu de temps, je vais y aller avant le dîner. Cloud va m'aider. C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu veux te plaindre, t'es sûr? Pourtant... T'as une super récompense, non? Tiens, maman, devine. D'accord. Je vais chercher des paniers. Donne-moi une minute. Sacrée Aerys. Elle a vraiment la bougeotte, n'est-ce pas? Dis-moi. Non, c'est rien. C'est bizarre. Où est-ce que j'ai pu les mettre? Je les ai trouvés. Hein? Tiens, pour toi. Hein? Oh. Tiens. Oh.
Allez, c'est parti! Suis-moi, je vais te montrer mon beau jardin. Lesquelles leur feraient plaisir? N'importe lesquelles. Fais un petit effort quand même. Allez, choisis. Comme celle que je t'ai donnée. Ah ouais? Tiens donc. Alors en fait, elle t'avait plu? Il en faudrait un peu plus. Dis, qu'est-ce que tu choisis? Bon choix! Dans le langage des fleurs, elles signifient la pureté. Elles sont donc très précieuses. Ils ont dit qu'ils en voulaient beaucoup. Alors on va en emporter un peu plus. Ça devrait suffire. Allons à la maison feuillue maintenant. Pas la peine de te presser. Fais plutôt attention aux fleurs. Je suis pas fait pour ce genre de travail. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis sûre que tu vas faire sensation. À ton avis, comment ils vont les arranger, ces fleurs? Je sais pas. On ira voir ça après. Moi, je vais attendre ici. Oui, si tu veux. Mais tu risques de t'ennuyer. Profites-en pour visiter un peu. Bien payé. Et on est passé à la télé. Je vais la fondre et la transformer en autre. Le plus important, c'est l'assaisonnement. Du temps où je suis un. Lorsque le plateau du secteur 6 est. Certains enfants vont même travailler pour Don Corneo. Y a-t-il vraiment rien qu'on puisse faire pour J'essaie empêcher ça? J'essaie de mettre la main sur mon livre sur la planétologie.
paraît qu'on peut voir des... La nouvelle... Oh! Te reconnais, toi? Où est Aerys? À la maison Feuillue. Il faut savoir se défendre seul. C'est une des règles de base du bidonville. Prends-en bien soin, d'accord? Les citoyens de l'Égard attendent que le président Shinra fasse une déclaration officielle de guerre. Un rassemblement est organisé dans le parc du secteur 2. Je devrais peut-être pas m'en aller comme ça. Et maintenant, le point météo. Et nous, on doit croire qu'ils ont descendu. Qu'est-ce que tu veux? La Shinra va certainement... L'accès est interdit aux adultes ici. J'espère que le président va faire une annonce à la télévision. Moi aussi. Je suis sûr qu'il va officiellement déclarer la guerre. Parce que c'est l'histoire d'avalanche. On l'arrête plus. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Oh. Un chewing-gum. Vous pourriez vérifier ça? Ça. Je devrais peut-être pas m'en aller comme ça. Merde. Depuis qu'il y a eu cette... Nous venons juste d'avoir un gros arrivage ces derniers temps. J'ai vraiment trop envie de refaire ça. Tu dis ça parce que tu veux juste passer à la petite. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai jamais vu ici avant, toi. Tu dois sentir une graine sur ce quartier. C'est moi. Le parfum des fleurs, eh ben, ça a le pouvoir de nourrir l'âme. C'est surtout quelque chose qui me nourrit tout court. Y a un truc qui va pas? Oui. Il y a eu un petit problème dans le repère des enfants. Un homme en noir est entré dans notre base secrète. Il a fait peur à mes amis. Ils sont allés dans la vallée. Un Turc? Non, j'ai pas l'impression. C'est l'homme au manteau tout abîmé. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le bras. C'est plutôt inquiétant. Je vais aller voir ça. Je viens avec toi. Je connais un homme comme ça. Ok. Par ici! Un jour, je demanderai à Jessie de m'apprendre le théâtre. Je suis sûre que t'en es capable! Tout là-haut! Oh, je peux te caresser? Ce petit boulot était bien payé. Et on est passé à la télé en plus. Tout ce que vous aviez à faire, c'est dire du mal. Ah, j'y pense. Est-ce que tu pourrais réparer? Il passe ses journées à nous rabâcher ces histoires de réacteurs Mako. Dépêchez-vous! Voilà, c'est ici le repère des enfants. Normalement, les adultes n'ont pas le droit d'entrer. Mais là, c'est une urgence. Avec moi. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver vos amis. Oui, mais il y a plein de monstres là-bas. Tout ira bien. Cloud va m'aider. Il est vraiment très très fort. Je suis un ancien soldat. Où est l'homme en noir? Je sais pas. Il est parti sans qu'on s'en rende compte.
Pour l'instant, occupons-nous plutôt des enfants. Venez! Allez, vous deux, dépêchez-vous d'aller le sauver! Ils sont partis par là! Soyez prudents! Je me demande où ils sont passés. Avec les enfants, on peut jamais savoir. Il faut chercher partout. Oui, ne perdons pas de temps. Hein? J'ai même pas forcé. Ça, c'est mon boulot. Et moi, hein? Me tourne la bosse. En avant. C'était couru d'avance. Dû à l'explosion du réacteur Mako. Je m'en occupe. Allons-y. Merci beaucoup. Quelle classe! Allez, on s'en va. Secret.
désolée, mais je suis pressée. Terminé. Val ! C'est fini pour toi. Moi aussi, quand déjà je serai grand, je serai soldat. C'est pas aussi facile que tu le crois de devenir soldat, pas vrai, Cloud ? Mais non, tu dis n'importe quoi ! Hein, Cloud ? Ce qui est sûr, c'est que t'as la cote. C'était vraiment génial ! Si, si, si ! Oh oui, c'était impressionnant ! Schling, schling, schling ! C'est pas ça du tout ! Si, si, si ! Non, ça allait beaucoup plus vite que ça ! Schling, schling, schling ! Disons, tsing, schling, d'accord? Oui, tsing, schling, c'est ça. C'est ça, hein, Cloud? N'est-ce pas, Cloud? C'est par ici. Tifa, attends-nous. Tifa. 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 Tifa? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tifa, c'est le nom de ta petite amie ? Mais non. J'ai touché une corde sensible. C'est pas ce que tu crois. Oublie. J'aurais du mal à t'expliquer. Je vois. Je suis trop bien cachée. Je suis trop bien cachée. Merci. La prochaine fois que vous avez un problème, surtout, prévenez tout de suite un adulte. Oui, promis. Tiens, c'est pour nous avoir aidés. Tous les deux, même si vous êtes des adultes, vous êtes nos copains désormais. Alors venez nous voir quand vous voulez. Merci d'être allés les sauver. Attends ! Reste ici ! Ça va aller, vous inquiétez pas. Attends. Il y a un homme avec les mêmes symptômes dans l'appart à côté du mien. Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi un deux? Un tatouage. Mais j'y pense. Réunion. Tu n'as rien à craindre de moi. Ça va aller. Cloud, ça va aller. Iris, est-ce que tu connais Sephiroth ? Le héros ? Il est célèbre. Il y a 5 ans, il est mort dans un accident. Ils l'ont annoncé aux infos. En fait, il est peut-être encore vivant. Ce serait étonnant. Bon, allons-y. En réalité, comme le dit la légende, je suis... C'est quoi ça ? Tu m'attraperas pas ! À ce qu'il paraît, c'est parce qu'il est malade qu'il serait rentré. Comment ça, malade ? Ça veut dire que les soldats tombent malades ? À ce qu'il paraît, c'est parce qu'il est malade qu'il serait... Comment ça, malade ? Ça veut dire que les soldats tombent malades ? Mon père, il m'a dit que celui qui a sauvé nos amis, c'est un ancien soldat. Mon père, il m'a dit que celui qui a sauvé nos amis... Cloud, ça te dirait pas de travailler un peu comme mercenaire ? On fait des patrouilles, tu sais, et du coup, on obtient pas mal d'informations. Y en a qui pourraient te permettre d'offrir tes services. J'ai bien envie de faire ça, moi. En plus, on a encore le temps. J'ai déjà un travail. Je suis sûre que tu peux en faire deux à la fois. J'obtiens pas mal d'informations. Alors n'hésite pas à venir me voir. Ces derniers temps, on voit beaucoup de monstres dangereux par ici. Je pense pas qu'ils te poseront problème, mais fais quand même attention. Ah ! Je crois bien que je vois un Mog !
Vous arrivez à me voir, Coupeau? Mais alors ça veut dire que vous êtes des gens hors du commun? Dans ce cas, soyez les bienvenus à la boutique Mog. Moi, je suis le gérant, Moggy. Ça vient des aventures de Momog le Mog. Un conte pour enfants, qui est très populaire. C'est l'histoire d'un esprit de la forêt appelé Momog, qui ouvre une boutique pour rendre heureux tout le monde. Exactement! C'est par admiration pour Momog que j'ai ouvert mon magasin, Coupeau. Nous autres, les Mog, nous sommes seulement visibles aux yeux des gens au cœur pur, Coupeau. Vraiment? Même quelqu'un comme moi? À vrai dire, je préfère pas répondre à cette question. Les articles que nous avons rassemblés sont tous magnifiques et uniques, Coupeau. Je vous les échange contre des médailles Mog, mais avant ça, il faut devenir membre, Coupeau. Si vous trouvez des médailles Mog, je compte sur vous pour venir me voir, Coupeau. Dis, Moggy, qu'est-ce que tu comptes faire avec toutes ces médailles? Je vais bien sûr les utiliser pour rendre tout le monde heureux. C'est le rôle des Mog, après tout, Coupeau. C'est tout comme dans les aventures de Momog, pas vrai? Continuons comme ça, monsieur le mercenaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'es vraiment très motivé. Bah oui, c'est plutôt normal, non? On fait pas ça pour s'amuser. C'est sérieux. Hein? Hein? C'est justement pour ça que je suis motivée, moi. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent comme ça. Eh bien, moi, je fais partie de ces gens. Je suis comme ça. Bienvenue dans ma boutique, Mog! Merci beaucoup. Grâce à vous, je commence à avoir plein de médailles, Coupeau. Je sens que je commence à avoir le pouvoir de rendre les gens heureux, Coupeau. Tant mieux pour toi. Allez, Cloud, essaie d'être un peu plus joyeux. Ok. Tiens, essaie de me rendre heureux pour voir. Que je m'amuse et que je puisse rire, moi aussi. J'ai pas encore assez de médailles, Coupeau. Oh là là, mais c'est grave, ça. Cloud, il faut qu'on aille en chercher. Bon courage, Coupeau. Merci de votre visite, Coupeau. Je sens que le bonheur s'est un peu rapproché, Coupeau. Il y a beaucoup de problèmes ici que des enfants ne peuvent pas résoudre. Je compte donc sur toi pour t'en charger.
La visite guidée. Qu'en dis-tu? Nous avons bien décoré la maison avec les fleurs que tu nous as apportées. Oui, c'est magnifique. N'est-ce pas? Ah, oh, mais j'y pense. Tout à l'heure, j'ai aperçu quelqu'un de la Shinra se diriger vers chez toi, Iris. Tu sais, un de ces types en costume noir a l'air un peu effrayant. Excuse-moi, mais ce serait pas toi, l'ancien soldat? Tu t'appelles Claude, c'est ça? Oui, mais maintenant, il est mercenaire. Qu'est-ce qu'il y a, Folia? On dirait qu'il y a quelque chose qui t'agace. Tout à fait. Tu as bien deviné. Les enfants qui sont partis faire une patrouille dans le quartier ne reviennent pas. Ils m'avaient pourtant promis de rentrer à l'heure pour la classe. Cette patrouille, c'est celle que les petits de l'orphelinat font pour remercier les habitants, pas vrai? En effet. Ils s'occupent de ramasser les poubelles ou font d'autres petites courses pour ceux qui nous ont fait un don. Les gens apprécient beaucoup ça. D'ailleurs, vous ne les auriez pas vus en venant ici? J'ai quelque chose de prévu ce soir. Et pour cela, il va falloir que je me prépare, alors je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. On pourrait aller les chercher, si tu veux. Alors ça, ce serait chouette. Les enfants partis en patrouille sont 5. Ils portent des épées factices, alors vous devriez les reconnaître facilement. Dépêchez-vous de descendre de là! Ça te dirait de travailler un peu ici, toi aussi? Voyons, il n'y a rien d'autre de récupérable. Qu'est-ce que je... Ces derniers temps, ma porte grince salement quand je l'ouvre. C'est comme ma femme, elle grince aussi dès que je... Mon grand-père est un fou à cause de cette histoire d'avalanche. On l'arrête plus. Par ici! Par ici!
Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Très bien. Aujourd'hui, j'ai ramassé les poubelles, indiqué le chemin à quelqu'un et accompagné une vieille dame pour sa promenade. Tu as fait plein de choses. C'est le moins qu'on puisse faire pour les gens d'ici. Après tout, c'est grâce à eux que la maison Feuillue existe. Oh là là! Mais il est déjà cette heure-là! La maîtresse, elle doit être très fâchée, non? Oh non! Je suis vraiment désolée! Hé, c'est par ici. Qu'est-ce que c'est dur, ça? Oh, vous m'avez surpris! Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Je fais tout plein d'observations. C'est pour le jour où j'ouvrirai mon propre magasin. C'est donc ça ton rêve? Tu veux devenir marchand? Oui, et l'argent que je gagnerai, je le donnerai à la maison Feuillue. Les adultes n'osent pas nous le dire, mais même avec les dons, la situation reste assez difficile à l'orphelinat. Ah, surtout, vous dites rien à personne. Si jamais vous cafetez, vous me devrez des guilles. Ah, c'est l'heure d'aller en classe! Et maintenant, le point météo. Le ciel de Midgard sera couvert de nuages intenses persistant toute la journée. Il faut faire exploser les maisons. Si vous avez faim, venez manger ici. Tout à fait. Si l'assaisonnement n'est pas le même, qu'est-ce que vous ferez si vous tombez? Ah, je suis au courant. Celle au parfum de chocobo, hein? Par ici, il paraît qu'on peut voir des fantômes. J'ai peur. Waouh, c'est toi, Cloud? Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Le bidonville est plus agité que d'habitude. Ça doit être à cause de l'attaque contre le réacteur Mako. Tu es très attentif, je suis très impressionnée. Mais dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Ah, c'est déjà l'heure de la classe! Je dois rentrer à la maison Feuillue! Eh ben moi aussi. Tu n'as pas l'air d'être de bonne humeur. Parce que le plateau du secteur 6 est... Oh, monsieur le soldat, toi aussi t'es venu écouter des histoires? Maintenant que des réacteurs ont été détruits, il paraît qu'il va peut-être encore y avoir la guerre. Tu crois que c'est vrai? J'en sais rien, mais il y a quelque chose dont tu devrais te soucier davantage. C'est la promesse que j'ai faite à Mademoiselle Folia. Il faut que je rentre à l'orphelinat! Je le sais, il s'agit de Walmart Kettlewell. Écoute-moi bien, il est hors de question que tu ailles traîner par là. Les enfants de la maison Feuillue, ils viennent souvent me faire la conversation, vous savez. Grâce à eux, il m'arrive de me sentir un peu plus jeune. Du temps où je suis arrivé à Midgard, il n'y avait encore que la moitié des plateaux de construction. J'ai vraiment hâte que la nuit tombe. Bonjour, Iris. Tu m'attendais? Dis-moi, serait-ce ton nouveau petit copain? Qu'est-ce que t'insinues, là? C'est pas très poli. Mais attends, je reconnais ses yeux. C'est donc lui qui a battu Reno. Tu feras quoi si c'est le cas? Un rapport à mon boss, mais je dois m'en assurer. N'est pas foncièrement méchant. On peut dire ça. Mais en revanche, faut quand même pas chercher des noises au Turc. Oh, surtout le prends pas mal. Hum.
Ça confirme ce que je pensais. Hmm. Chez les Turcs, en fait, vous avez que de la gueule. Et c'est toi qui dis ça. Très bien. Je suis contre la violence, moi. Reste en arrière. Tu ne peux pas me laisser tranquille? Non, désolé. Voilà! Très bien. Tu vas nous laisser maintenant? Non, ça devient enfin intéressant. Tu veux continuer? Oui, c'est mon travail. Tu ferais sans doute mieux d'en changer. Je dois me concentrer, idiot. Il est fort, Cloud, n'est-ce pas? Des types comme lui, il y en a partout. Ne compare pas aux autres. Tu voulais pas me faire payer pour ton pote? Si, et c'est le cas, là. Voilà! Tu n'as pas dit que j'étais contre la violence. Si, mais là... Ça n'arrivera plus. Par sécurité. Prenons nos précautions. Maintenant. Je peux pas me le permettre. Hé, hey, partenaire. Navré de cacher ta récré, mais... apparemment, on nous demande d'urgence pour l'affaire du bidonville du secteur 7. Ramène tes fesses rapidos. Entendu. T'as un changement de programme? On peut dire ça comme ça. Reste chez toi quelque temps. Désolé, c'est pas mon truc. Hein? J'attends que ça, que la nuit tombe. Hé, hey, frangin, t'as l'air costaud, dis donc. J'ai peur. Lorsque les gens... Depuis qu'il y a eu cette... C'est dangereux. Je porte les chiens.
7, ils ont des filtres qui permettent d'enlever l'odeur. J'ai vraiment trop envie de refaire ça. Tu dis ça parce que tu veux juste passer à la télé, non? Cette pièce en fer est au bidonville de secteur 5. Plein d'herbes et d'épices. C'est ça, le secret. À la milice, de nombreux de se concerter, vous pouvez solutionner leur problème. Ils peuvent compter sur moi, en tout cas. Je vais leur faire profiter de l'expérience militaire. Pour retransmettre en direct les manifestations... Où sont les produits? Pas la peine d'essayer de négocier. A plus. Je me demande combien de potions il faudrait. À la télé. Ah, j'y pense. Est-ce que... faire utiliser cela. Je rentre à la maison. La nouvelle lessive donne un bon parfum de chocobo au soleil. Aéris, tu me prépareras encore un bouquet, s'il te plaît. Oh, Cloud! Je suis vraiment très honorée de te rencontrer. Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un de très fort. J'ai beaucoup d'admiration pour les soldats. On peut dire que tu es motivée. Parce que la situation est grave. Des réacteurs Mako ont été détruits. Et j'ai entendu dire que beaucoup d'enfants avaient perdu leurs parents à cause de ça. La maison Feuillu va peut-être avoir de nouveaux pensionnaires dans ce cas-là. Oui, ça veut dire que la maîtresse va être encore plus occupée qu'avant. Cette maîtresse, il se trouve justement qu'elle te cherche maintenant. J'avais complètement oublié. Je vais rentrer à la maison Feuillu immédiatement. Je vois que tout le monde est là. S'il vous plaît, rentrons à l'orphelinat. Il y a quelqu'un pour m'aider? Il me faut une personne qui sait se battre. Je me fais trop d'idées. C'est grave. On doit vite faire quelque chose. J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate maintenant. J'ai été attaqué par des machines de la Shinra. Celles qui ressemblent à des yeux. Il y en avait 5. Après ça, elles sont parties dans la ruelle de derrière. Mais elles risquent bien de venir par ici. C'est pour ça que je cherche quelqu'un pour les éliminer. Je m'en occupe. Quelle chance que vous soyez là! Ça me soulage. Ces machines, elles répétaient « intrus détecté » lorsqu'elles sont parties dans la ruelle. Surtout, soyez très prudents. Faisons le ménage. Désolé, on est passé. Ah.
On sait jamais. J'ai même pas forcé. Pas le droit à l'erreur. Ça va piquer. Ah,
Ça va chauffer. Ah, vous êtes revenu. J'imagine que vous les avez détruites. C'est pas normal qu'on trouve ces machines dans le bidonville. À coup sûr, c'est parce que le réacteur a été détruit. À mon avis, elles pensaient patrouiller dans le réacteur Mako. Et elles ont dû croire que j'étais un intrus à éliminer. Ouais. Elles sont incapables de comprendre leurs propres actes. C'est vraiment triste. Mais bon, on peut en dire autant de tout ce qui vient de la Shinra. Machine ou humain, c'est pareil. Moi, je suis pas d'accord. En tout cas, le plus important, c'est que ce problème ait été réglé. Si jamais il devait vous arriver un autre pépin, surtout n'hésitez pas à faire appel à Cloud. Ah, d'accord. C'est vraiment une chance que vous ayez été là. Je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Si ça vous dérange pas, j'aimerais vous demander un autre service. Devant la boutique d'armes, il devrait y avoir un vieil homme un peu déprimé. Vous voudriez bien aller lui parler ? Le Wutai a probablement dupé Avalanche. Le ciel de Midgard sera couvert demain avec des nuages denses persistant toute la journée. Oh, c'est donc toi, le fameux mercenaire dont j'ai entendu parler. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma femme, mais je suis incapable d'aller sur sa tombe. C'est parce que le cimetière du bidonville a été envahi par des créatures dangereuses. Dis-moi, est-ce que je pourrais te demander d'aller prier sur la tombe de ma femme à ma place? Ça me dérange pas. Je te remercie. Le cimetière est en bas de la rivière. Par contre, d'après ce qu'on m'a dit, il est probable que la porte ait été fermée à clé. C'est sûrement pour empêcher que les gens se fassent attaquer par les créatures. Dis, la clé du cimetière, on l'a bien obtenue à la boutique de Mogi, non? Une source proche de la Shinra, le groupe de Kiro. Ils vont faire exploser. Les bidonvilles. Si jamais. Qu'est-ce que tu veux? La Shinra. Oh, bonjour. Les deux piquets. Les petites pièces. Hein? Me dites pas que je pensais. Je me fais trop titrer. Un souci? On n'a pas le temps de se mouiller. C'est fini de rigoler. Bon.
Faut pas que je dorme. Allez, Iris, tu crois. Et le dernier. Tiens. Ça va, toi? Ça va. Pas de bobo? Rien ne m'arrêtera. Vas-y, attaque. J'arrêterai tout. Terminé. C'est vraiment pas le moment. Je vais faire tout mon possible. Je peux te laisser faire. C'est fini pour toi. C'est celle-là. Cloud, tu pourrais faire une prière, toi aussi. Non, c'est bon. Retournons plutôt voir l'homme. Une fois de plus, vous m'avez rendu service. Voici votre récompense. Pour tout vous dire, je dois beaucoup à cet homme. Et puis maintenant, je vous dois beaucoup, à vous aussi. Voici un gage de ma gratitude. Acceptez-le, s'il vous plaît. Nous avons nettoyé la tombe de votre épouse et nous avons prié pour vous. Oh, je vous remercie tous les deux. Grâce à vous, je me sens beaucoup plus serein désormais. À vrai dire, j'avais quasiment abandonné l'idée de me recueillir sur sa tombe. Mes vieilles jambes ne me permettent plus de me déplacer comme avant, voyez-vous. Mais je voulais quand même y aller une toute dernière fois. C'est justement au moment où je réfléchissais à ça que vous êtes venu me parler. Je pense que là où elle est, ma femme a compris que j'étais désormais trop vieux pour tout ça. Ne dites pas ça. Voici la clé du cimetière. Rendez-la à Moggy. Mais vous savez bien que je n'ai plus la force de faire ça. Oui, allez la rendre vous-même. Je veux bien, mais ça vous coûtera 5000 guilds. 5000 guilds? L'argent, l'argent, vous ne pensez qu'à ça. Très bien, j'ai compris. Je n'utiliserai plus jamais vos services. La clé, je vais aller la rendre moi-même. Oh, mais quelle misère! Voilà donc le monde que la Shinra nous promet. Les gens du bidonville comptent vraiment sur nous maintenant. Ouais. Tu commences à y prendre plaisir? Ouais. Montre-le sur ton visage et dans ta voix, alors. Il faut savoir communiquer dans ce métier, non? Je compte sur toi pour ça. Je veux bien. Mais je peux pas le faire tout le temps, quand même. D'accord? Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Et mes services sont pas donnés, mine de rien. Désolée d'avoir oublié notre... Grâce à vous, tous les enfants sont rentrés sains et saufs. Je vous remercie. Allez, c'est l'heure d'étudier, petit garnement. Le roi des crapauds est apparu. Il est très proche de la base. Il faut vite faire quelque chose. Le roi des crapauds? C'est le nom d'un monstre qui se cache tout au fond de notre base secrète. Il porte une drôle de couronne et il est très très méchant. Si ça se trouve, c'est véritablement le roi des monstres. Mais j'y pense. Cloud pourrait le battre? Ouais. Et très facilement, à mon avis. Le problème, c'est que mes services sont loin d'être donnés. Mais nous, on n'a pas du tout d'argent! La milice s'en occuperait gratuitement. Si d'autres adultes sont au courant, on n'aura plus jamais le droit d'aller jouer dans notre base secrète. Cet endroit, il est très important pour tous les enfants. On te donnera un trésor en échange. Aide-nous, s'il te plaît! Si ça suffit pas, je te paierai quand j'aurai mon propre magasin. Si jamais tu refuses, on partira affronter ce monstre nous-mêmes. Disons 3 guilds alors. Hein? J'accepte d'éliminer le roi des crapauds de votre base pour 3 guilds. C'est à prendre ou à laisser. Génial! Affaire conclue! Je suis de tout cœur avec toi.
je vois la milice. Dis, t'as entendu parler de ce mercenaire? Il paraît que quelqu'un fait des rondes pour porter secours à ceux qui ont besoin d'aide. Tenez, regardez, Coupeau. Revenez quand vous voulez, Coupeau. Un jour, je serai aussi fort que toi. Allez les sauver. Je suis trop bien cachée. Ne t'avance pas trop. Je vais te soutenir en retrait. Déjà fini? Pas le temps. C'était couru d'avance. Ça, c'est mon boulot. Et moi, je me tourne les pouces. C'est réglé. On n'a pas le temps de s'amuser. Fini de rigoler. Pitoyable. On sait jamais. Tu veux un bateau? Des crapauds, tu l'as vaincu? Ouais. Je peux même dire que c'était un vrai jeu d'enfant. Super! T'es vraiment trop balèze! On va pouvoir aller jouer en sécurité comme ça! Merci beaucoup! Tiens, voilà le trésor pour toi. À mon avis, ça vaut forcément au moins 3 guilds. Dites donc, c'est pas le moment de vous amuser. Pour la peine, je vous ai préparé tout plein de devoirs. Et j'insiste pour que vous les fassiez tous aujourd'hui. D'accord? D'accord, comme vous voudrez, maîtresse. Je vous remercie tous les deux d'avoir éliminé le roi des crapauds. Tu étais donc au courant? J'aurais dû m'en douter. J'aimerais que ce soit toujours le cas, mais c'est un peu compliqué. Que ce soit pour réaliser leurs rêves, soutenir leurs camarades ou aider les gens dans le besoin, ces gamins se donnent à fond dans tout ce qu'ils font, tous les jours. De mon côté, tout ce que je veux, c'est veiller sur eux pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal. Ça doit pas être facile tous les jours. On peut le dire, en effet. Malgré cela, je compte bien leur apporter tout mon soutien et leur donner une bonne éducation et tout plein d'amour jusqu'au jour où ils quitteront l'orphelinat. C'est ce que j'essaie tant bien que mal de leur transmettre. En temps normal, ce sont leurs familles qui auraient dû leur apporter tout ceci. Et pour une personne sans lien de parenté comme moi, cela demande énormément plus d'efforts. Quel courage! Je ne fais que suivre l'exemple de mon prédécesseur. J'ai tellement de respect pour lui que j'ai emprunté sa façon d'enseigner. Mais pour être honnête avec vous, je suis très loin d'avoir le même don avec les enfants que Biggs. Oh! J'ai pas vu leur tournée. Il faut que je me prépare à partir. Ah oui, t'as prévu quelque chose? Ce quelque chose, en fait, c'est mon rêve. Encore merci à vous deux! Je me demande bien ce que ça peut être, le rêve de Folia. Ça m'intéresse pas. Merci d'avoir protégé notre base secrète.
Au fait, pour te remercier de nous avoir aidés, j'ai demandé à ce qu'on te laisse participer à un de nos jeux. Si tu veux savoir quoi, je te conseille de retourner à la base. Ce petit boulot était bien payé. Ces derniers temps, Forte Grince allemand, il passe ses journées à nous rabâcher ces histoires de réacteurs Mako. Pour diverses raisons, on avait arrêté de jouer à Brise-Boîte. Mais on a enfin recommencé. C'est grâce à toi, Cloud. Ah, j'y pense. Il y a un vieil homme à l'air triste devant le centre communautaire. Je crois qu'il a besoin de toi, Cloud. Alors, tu penses que j'ai ce qu'il faut ? Ah, Cloud ! Tu viens au bon moment ! On était justement en train de jouer à Brise-Boîte. Celui qui arrive à détruire le plus de boîtes, il devient le héros de notre base secrète. Normalement, c'est un jeu réservé uniquement aux enfants. Mais puisque c'est toi, je t'autorise à y jouer avec nous. T'entraînes pas, tu pourras pas t'améliorer, tu sais. Un jour, je serai aussi fort que toi. Je suis trop bien cachée. Attends, je suis trop bien cachée. Bonjour, Coupo. Je suis content d'avoir rendu service, Coupo.
La Shinra va se foutre. J'ai vraiment trop envie de revenir. Non, je vais... Oh. Je vais apprendre à écrire pour lire. Ce bâtiment, c'est le centre communautaire de ce secteur. Mais bon, malgré ce nom, c'est juste un endroit où les vieillards se rassemblent pour passer le temps ensemble. Et dire que je pensais que la guerre était enfin excusez-moi, terminée. Je crois vous reconnaître. Vous devez être le fameux mercenaire, n'est-ce pas? Ouais. Je me présente, je suis Damon, reporter pour le Journal de l'Énergie, à votre service. Le Journal de l'Énergie? Il y a toujours plein d'articles médisants sur les bidonvilles dedans. Mais non, vous vous méprenez. Nous essayons seulement d'informer les gens sur la dure réalité ici. C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous. Enfin, bref, c'est bien que vous soyez là, car j'aurais un tout petit service à demander à Monsieur le Mercenaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'Ange Gardien, l'insaisissable voleur dont on ignore la véritable identité? Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra, à qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux. Il est très célèbre, notamment parce qu'il donne ses biens aux gens qui sont dans le besoin. L'Ange Gardien est très populaire dans les bidonvilles parce qu'il sait se montrer sous un bon jour. Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime. C'est une menace à l'ordre public. J'ai donc décidé de dévoiler son identité. Le problème, c'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations. Et pour couronner le tout, ils ont découvert que je suis journaliste et refusent désormais de parler avec moi. J'ai donc eu une idée. Je voudrais vous demander de vous occuper de mener l'enquête à ma place. Du moment que ça touche de près ou de loin à l'Ange Gardien, toutes les informations sont les bienvenues. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a ? L'Ange Gardien, vous dites ? On sait peu de choses sur lui. Il est très populaire ici, mais personne ne l'a jamais vu. Il envoie toujours un avertissement, puis il vole quelque chose comme un prestidigitateur. Oh ! Mais si ça se trouve, c'en est un ? Non ! À mon avis, il utilise carrément de la sorcellerie. C'est pour ça que selon certaines rumeurs, ça serait une sorcière. Si on croit tous les ragots, moi aussi j'en ai entendu. Et il y en a même qui disent que c'est une créature. Alors là, laisse-moi te dire que des rumeurs sur lui, j'en connais facilement une bonne vingtaine. Ah, bonjour Mireille. Ça faisait un bail, Aerys. J'ai entendu dire que tu fricotais avec un type bizarre. Je te présente Mireille. Elle sait absolument tout ce qui se passe dans le quartier. Lui, c'est Cloud. C'est un ancien soldat. Il est très très fort. Il a plutôt l'air débrouillard. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es mercenaire et que les gamins de l'orphelinat t'admirent. Je sais aussi que toi et Aerys, vous essayez de vous renseigner sur l'Ange Gardien pour le compte du Journal de l'Énergie. C'est exact. C'est que j'adore écouter les ragots, moi. En tout cas, je trouve que ce sbire de la Shinra est beaucoup trop curieux. C'est pas pour lui qu'on fait ça. Ce que j'ai entendu de ce voleur a suscité mon intérêt. Rien de plus. Eh bien, voyons. Toi aussi, tu es tombé sous le charme de l'Ange Gardien, alors. Ça tombe bien. J'ai justement de nouvelles informations. Je vais vérifier tout ça, alors attendez-moi. Et allez donc chercher ce journaliste. On dit qu'il y a un jeune homme très serviable qui aide tous ceux qui en ont besoin. Et le ciel, alors ? On pouvait le voir. Évidemment, tu n'as pas l'air. Alors, il y a du nouveau ? Dites, vous connaissez Mireille ? Elle va nous donner des informations toutes fraîches. Mais oui, Mireille ! Cette femme qui sait tout ! Moi aussi, j'ai tout essayé pour qu'elle me parle. Mais à chaque fois, elle m'a évité. Mais comment vous avez fait pour qu'elle accepte ? Imbécile ! C'est juste un caprice de vieille femme. S'il vous plaît, dites-moi tout avant de changer d'avis. Vous savez qui est la prochaine cible de l'Ange Gardien par hasard ? Ou alors est-ce qu'il aurait laissé des traces ? Pas du tout. J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache. Son repère ? Mais c'est sensationnel, ça ! Vous savez où il se trouve ? Ce serait le plateau d'observation qui est situé dans la ruelle de derrière. C'est un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps. Le plateau d'observation, vous dites ? J'y vais immédiatement ! Mais c'est pas tout. Il y a une autre rumeur aussi.
Depuis quelque temps, il y aurait des créatures qui se seraient installées là-bas, d'après ce qu'on m'a rapporté. Hein ? On m'a aussi dit qu'elles étaient très dangereuses. Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout. C'est-à-dire que... Tout compte fait, y aller sans réfléchir serait une grave faute professionnelle. Le béaba du journalisme, c'est de bien se renseigner avant d'agir. Dans ce cas, je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider. Pas vrai? Dites, monsieur le mercenaire, je vais encore une fois avoir besoin de vos services. Vous pourriez aller inspecter ce plateau d'observation pour moi? C'est toi le fameux mercenaire, non ? J'ai bien peur. Une nouvelle guerre éclate maintenant. Tiens, un ami à moi m'a dit qu'un mercenaire l'avait sorti. J'ai emménagé ici récemment. Les trains sont encore arrêtés ? Quand j'étais à Wall Market, j'ai... Et toi, tu es soldat ? C'était vraiment. C'est de l'annonce de l'attaque. Rien n'a signé. Je cache s'il y a des créatures. Le réacteur Mako est complètement. Qu'est-ce que tu veux ? C'est bizarre ! Par où est-ce qu'elle est là ? Ah, oh, mais. Le type de la Shinra ? Un souci. Nous utilisons des épices du bidonville. Il y a tout plein de fumée ! Si j'étais un des gros. Ça ne m'arrange pas du tout, cette histoire. Thank you.
Reprenez l'inspection des bois. On manque trop d'effectifs. Ils comptent pas nous envoyer des gens d'en haut ? Il y a peu de temps. Qui sait ce que les créatures s'introduisent parfois ici. Mais bon, j'irai bien voir ça de plus près encore une fois. L'armée de la Shinra. Dis-moi, tu voudrais pas. Bon ben, je vais me reposer aujourd'hui. Les trains circuleront pas avant un moment. J'arrive pas à m'habituer au bidonville. Laisse, je m'en occupe. Ah non, mais quand même pas. C'est fini pour toi. Hein ? En avant. On fonce ! Oui, il faut y aller.
On sait jamais. Pour commencer, inspectons les environs. L'ange gardien vous remercie d'avance pour ses biens. Ils apporteront du réconfort aux gens dans le besoin. C'est une carte d'avertissement de l'ange gardien. Je vois rien d'autre d'intérêt dans le coin. Rentrons et faisons notre rapport. J'y crois pas! C'est une carte d'avertissement! Il n'y a pas le moindre doute possible! C'est une vraie! C'est bel et bien une carte laissée par l'ange gardien! Hein? C'est donc avec ça qu'il prévient ses futures victimes? C'est une grande découverte! Il n'y avait pas d'autre indice? Tiens donc! On dirait qu'il y a un message écrit sur cette carte. À l'attention du journaliste trop curieux de la Shinra, j'avais l'intention de te donner une leçon que tu n'oublierais pas en t'attirant dans un piège. Mais tu as eu la chance d'obtenir les services du mercenaire. La prochaine fois, ta curiosité pourrait bien te jouer des tours, alors fais bien attention. C'est un avertissement de l'ange gardien qui m'est adressé à moi. Si le mercenaire n'avait pas été là, ces dangereuses créatures t'auraient sûrement réduit en charpie. Tout ça, ça aurait été de ma faute. J'ai bien failli te conduire à une mort certaine, en voulant te rendre service et en partageant ces informations avec toi. Ne vous en faites pas. En fin de compte, il ne m'est rien arrivé, vous savez. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour continuer de me donner des informations de première main sur le bidonville. L'ange gardien a envoyé un nouvel avertissement. Sa prochaine victime, c'est Don Corneo de Wall Market. Bien fait pour lui. Le Don, c'est pas n'importe qui. Cette histoire risque de faire des remous. Vous, là-bas, dites-moi plus, s'il vous plaît. J'aurais dû lui demander de me payer. Tiens, prends donc ça. Y a rien de mal à ce que tu l'acceptes. De toute façon, ça vient des poches de ce journaliste. Va pas croire que je l'ai volé, hein? Je l'ai juste gardé pour lui. Tu m'as impressionné. Tu mérites vraiment ta réputation de mercenaire. Je pense qu'on devrait pas tarder à rentrer. Il s'est passé autant de temps? Oui, c'est parce que tu acceptes beaucoup trop de travail, à mon avis. Forcément, comme ça paie pas des masses. Tu dois encore faire tes preuves, pas vrai? C'est donc normal. Allez, on rentre. D'après certaines rumeurs que j'ai entendues, il paraîtrait que l'ange gardien est une femme à la beauté incomparable. Moi, je suis persuadée que c'est vrai. Je me demande bien ce que l'ange gardien a l'intention de dérober à ce fameux Don Corneo. J'ai vraiment hâte de le savoir. D'après certaines rumeurs, moi je suis persuadé que c'est vrai. Moi aussi, Jean. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de cet endroit ? Tu viens à la maison alors ? Tu parlais aux fleurs, là ? Chut. Voilà. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
On y va? Ma mère attend, il est tard. Les fleurs, elles t'ont dit quoi? Qu'elles sont très fières de nous. Je rigole. J'entends pas leur voix. Mais tu sais... Laisse tomber. En plus, tu me croirais pas. Sûrement. Dis-moi quand même. T'es sûr? Ouais. On dirait presque que je pourrais les entendre. Qu'elles essaient de me transmettre quelque chose. Quelque chose qu'elles doivent nous dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je crois qu'il me manque un petit truc. Que je n'écoute pas comme il le faut. Et du coup, je n'entends pas. Je ne fais rien comme il le faut. Et à force, je finis par abandonner. C'est pas l'impression que tu donnes, de ce que j'ai vu jusque-là. Non, mais tu sais, aujourd'hui, je fais des efforts. Pourquoi ça? C'est un jour spécial? Allez, rentrons. Faites un effort, vous aussi. Alors? Elles disent quoi? Je crois que c'était... On est fiers de vous. Oui, c'est ce qui me semblait. Tu veux déjà rentrer? Ouais, j'en ai assez. Vous en avez mis du temps. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Désolée, on a dû faire un petit détour. Le dîner est prêt à être servi. Ah, je vais t'aider. Dans ce cas, prépare plutôt la chambre d'invité. D'accord. Cloud, fais comme chez toi. Dis-moi, ses yeux, tu es soldat, hein? Ancien soldat. Écoute-moi bien. Quand la nuit tombera, j'aimerais que tu t'en ailles sans rien dire. Les gens comme toi ont tiré un trait sur une vie normale pour devenir plus fort, non? Il ne faut pas en demander trop. Ça y est, c'est fait. Passons à table. Vous devez avoir faim. On est affamés, hein? Oh. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Puisqu'on me le demande, je vais m'éclipser.
tu fais ? Oh, rien. T'as fait un cauchemar, c'est ça ? Allez, repose-toi jusqu'à l'aube. Demain matin, je te raccompagnerai. Ok. Il faut que je fasse plus attention cette fois. Ça y est, tu y vas ? Comment je dois faire pour aller au secteur 7 ? Il suffit de traverser le secteur 6. C'est simple, non ? Il y a quelques endroits dangereux sur le chemin. Mais tu es soldat, tu en as vu d'autres. Ex-soldat. Enfin bref. Désormais, ne t'approche plus de ma fille, s'il te plaît. Entendu. Je te remercie. Ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Gentil fleuriste. Je vous suis très reconnaissante d'être allée secourir les enfants aujourd'hui. Ils sont tous émerveillés par votre courage et ne parlent plus que du soldat. Veux-tu bien remercier Aerys de ma part, s'il te plaît ? Ok. D'après ce que j'ai entendu, il paraît que tu as été très actif aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de t'être aussi occupé des enfants de l'orphelinat. Tu travailles aussi tard ? D'après ce que j'ai entendu, je te remercie beaucoup de t'être aussi occupé des enfants de l'orphelinat. Voilà une drôle de coïncidence. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais. Pourquoi ? Parce que je veux rester avec toi. Oh. Oh. Montre-moi le chemin. Avec plaisir. Parce que c'est encore en travaux en haut. Ça fait peur.
Tu trouves pas? Il paraît que le plateau s'est effondré. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement, sinon ça aurait été une catastrophe. C'est quoi ça? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Shinra. Que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'œuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Ces commerces ont fait venir d'autres travailleurs et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Du coup, pour empêcher le quartier louche de s'étendre ailleurs, on l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né Wall Market. À l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont tolérées. De cette façon, le problème est contenu. C'est le mur qu'on voit là-bas, c'est ça? Oui. Tu voudrais y jeter un œil? Ça m'intéresse pas. Tant mieux. Il y a un raccourci pour le secteur 7 par ici. Normalement, on prend le chemin qui passe par Wall Market. Mais moi, je conseille plutôt celui-ci. Quand j'étais toute petite, je passais déjà par là en secret. Le plateau effondré, il a été laissé dans cet état. On va passer par là? Ça a l'air rigolo, non? C'est fini pour toi! Il faut vraiment qu'on se batte? Hein? Je vais pas te rater! Déjà fini? C'est quoi ça? C'est un bras gru. Ça a du charme, tu trouves pas? Oh non! L'échelle! Quelqu'un l'a remontée! Ce bras gru, on pourrait l'utiliser? Sur le bras gru. Alors transporte-moi jusque là-bas. Tu es sûr? Tout à fait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi.
on a réussi. Ouais. Hein? Bon, ok. On fait une équipe du tonnerre. Attends. On l'a réveillé. On pourrait passer par ici avant. Si l'accès a été bloqué, ça doit être à cause de l'apparition de créatures, j'imagine. Tu avais l'habitude de jouer à cet endroit ? Ben oui, j'ai grandi au bidonville. Ça t'a rendu forte. C'est pas vraiment un compliment. On dirait que c'est un cul-de-sac. Ça, c'est mon boulot. Et moi, alors ? Le tour des pouces ? Tu ne peux pas saisir ce conteneur avec le bras gru ? Bravo ! Ben dis donc, tu manipulais des bras gru avant ? Oh mince, regarde! Pourquoi il faut toujours qu'on nous embête? Bon, ben, tu vas encore devoir t'y coller. Faut tout faire ici.
Moi, je vais descendre. Cloud, c'est bon. Vas-y doucement, s'il te plaît. J'ai compris. C'est désert, on dirait. C'est encore chaud. Et si on rallumait? On pourrait camper? J'ai pas le temps pour ça. Et puis... Oh, regardez ça! On a deux voleurs, là! Hé! Mais dites donc, c'est pas gentil de s'introduire chez les gens! Pas le choix, on va devoir leur demander un dédommagement. Ouais. C'est quoi ce truc-là? Abruti, c'est pourtant pas compliqué, tu sais vraiment rien, toi. Un dédommagement, c'est comme... Bah, c'est simple. Tu sais, toi. Un dédommagement, c'est très simple, c'est... On a absolument rien fait de mal. Oui. On ne faisait simplement que passer. Oh, ils s'imaginent qu'on va les croire. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Donnez toutes vos possessions, ce serait déjà un bon début. Vos possessions. C'est quoi des possessions? Débile. Des possessions, c'est simple. C'est comme... un dédommagement. Les possessions, c'est un dédommagement. Bon, ça ne sert à rien. C'est fini pour toi.
Surtout bougez pas. Je fais le mort. Ils ont rien vu. C'est bon, ça marche. C'est le moment ou jamais. Allez, on se tire. Vous allez pas partir sans moi, quand même. Dis, Cloud, pourquoi est-ce que tu as quitté les soldats comme ça? Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Si tu ne veux pas en parler, pas de problème. Quand tu étais soldat, il y avait des gens avec qui tu t'entendais bien? Non, pas du tout. Ah, je vois. Je prends les devants. Une bonne chose à faire. Ici aussi, l'échelle est remontée. Bon, je vais en bas. Cloud, tu t'occupes du bras grue, d'accord?
Michel, maintenant. Ouais, bien joué.
Attends, tu voulais... Dépêchons-nous. La prochaine fois, je ferai comme toi, d'accord? De quoi tu parles? Oups, pardon. Attendez un peu, les amours. Je ne sais pas. Si vous... Mais pourquoi? Hey. Oh, non, c'est terrible. On a réussi. Regarde, la sortie. Alors, t'es prêt? Allez, vas-y! Je sens que mon bras commence à fatiguer, tu sais. Alors, t'es prêt? Allez, vas-y! Je sens que mon bras commence à fatiguer, tu sais. C'est là. C'est le portail qui mène au secteur 7. Il est fermé. Tu sais l'ouvrir? Dis, avant ça, tu veux pas faire une pause? Non, j'ai pas le temps de... Deux minutes, par ici. Dépêche-toi. Tu sais, je vendais des fleurs par ici, il y a longtemps. Ah ouais? Dis-moi, Cloud, tu étais bien dans la première classe, n'est-ce pas? Ouais. Je vois. Pourquoi tu me demandes ça? Ça me rappelle juste un ami. Un ami? Qui ça? Le premier garçon que j'ai aimé. C'est quoi son nom? Je le connais peut-être? C'est parce qu'ils sont imprégnés de Mako. C'est la marque des soldats. Oui, je sais. Désolée, je voulais pas t'embêter. Bon, on y va? Allez, oublions le passé. Attends un instant.
secret. Il est relié au bidonville du secteur 7. Bon. Je t'en prie. Tu vas pouvoir rentrer chez toi ? Si je te dis que j'ai peur, tu fais quoi ? Je te ramène chez toi. Ce serait pas un peu bizarre ? Oh. T'inquiète pas. Peut-être bien que je connais un autre raccourci encore moins dangereux. Ah.